Salut. Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo mon cul, sale pute. Bonjour à toutes, enfin à tous car j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de gros mecs en chien qui regardent aussi cette vidéo hein. Cette vidéo est pour vous mesdames. Voici la toute première vidéo qui j'espère fera 17 millions de vues. Me fera gagner un maximum de pognon hein, parce que j'adore l'argent. Voilà, l'argent c'est vraiment super, l'argent c'est génial. Voilà, ma raison de vivre. Avec le tuto d'aujourd'hui, tu risques franchement de faire un maximum de rencontres, c'est-à-dire sucer un maximum de bites. Alors voici le tout premier tuto au monde pour avoir un regard de salope. Mais attention, pas n'importe quelle salope. Non, putain, la salope qui se respecte un petit peu au moins. Clairement une salope plutôt classe, tu vois. Peu le genre de salope, voilà, si t'es en soirée entre copines, tu penses ça, tu vois. J'ai changé de soutien-gorge tellement j'avais chaud. Super. Putain de chatte. Regarde, Stéphanie la salope là. Ah, putain, elle est super bien maquillée la pute quand même. Oh. Son eyeliner là, putain. C'est une pute, mais putain, rage à bite, oh là là. Elle est bien maquillée. Elle est bien maquillée. Mais bien oh, ça reste. Oh là là. Sale pute, t'es trop bien maquillée. Sale pute, Logan. Ouais. Sale putain. Regarde. Elle a passé 3 secondes à se maquiller, Paris dans la salle de bain, putain. Sale pute, Steph. Steph la pute. Mais bien maquillée quand même. Bien maquillée. Eyeliner, rouge à lèvres, les yeux, les oreilles, le nez. Elle se maquille les dents. Ça reste une pute. Steph la pute. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous sont vraiment nuls à chier. Donc voilà, on va commencer tranquille. Tuto relax. Smoky, pas de trucs de ouf. On commence premier niveau Counter-Strike, tu vois. Alors les filles, sachez que se maquiller, bah ça s'apprend. Hein. Apprendre à se maquiller, c'est un peu comme ta première fellation finalement. Tu sais pas trop ce que tu fais, tu mordis, tu cherches ton chemin. Et puis un jour, au championnat du monde de la pipe, tu remportes la médaille d'or haut la main. Moi, par exemple, j'ai les yeux vraiment tout petits. Avec ce type de maquillage, moi, je transforme en fait mon regard de merde en regard de chienne en fait. Bon, comme tu peux le voir, le travail il a déjà été fait, hein. Contouring, highlighting, les yeux forcément. Tout ce bordel là, Martine, t'inquiète pas, toi la grosse pucelle du make-up, je sais, t'es en mode panique, qu'est-ce qui se passe? Oh, putain, on se calme là, relax. Mais t'inquiète pas, tout ça, je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on se concentre vraiment, on focus sur les yeux. Ça, c'est... sans rien. Première étape, conceal. Au niveau des paupières, très important parce qu'en fait c'est ce qui va unifier ta base. Hein. Ça va sans doute aider pour cacher toute cette petite veine absolument dégueulasse. Voilà, on va pas y aller de main morte. Hein. Belle petite couche. Côté droit aussi forcément. Hein. Voilà. Ok, alors pour ce regard de chienne, tu vas te calmer ouais. Oh là là. Alors, je sais pas si vous suivez un petit peu les tendances make-up du moment, mais ce qui est très in, ce sont les palettes Burgundy. Donc Anastasia en a sorti, Kylie Jenner aussi, entre autres. Alors la palette Burgundy, en fait, il te suffit d'avoir 4 couleurs pour avoir exactement le même effet que tu peux voir sur toutes ces photos Instagram. Putain, stop, Tibalt. Oui, mon chat s'appelle vraiment Tibalt, oui. Donc, je disais, il te suffit en fait d'avoir un rose bien flash type fuchsia, un rose très clair, un orangé doré et alors un pourpre. Je t'avoue que je suis nulle en code couleur, donc voilà. Je te laisse faire un screenshot et tu te démerderas avec ça au magasin. Je prends cette couleur-là et on va placer en fait la couleur au milieu de la paupière. Voilà, comme ça. Tu vois là, tu vois ce que je fais là? Ça te plaît là? Superbe Martine, superbe. T'as pas l'air con hein, quand tu te maquilles, non. Pas ton avantage quoi. Alors tu peux utiliser la brosse que tu veux, hein, franchement. Les tutos ils t'expliquent qu'il faut absolument avoir des brosses en poils de bison, en poils d'écureuil du Canada. Non, n'importe quel pinceau comme ça, c'est très bien. Va se calmer Martine. Ça c'est de l'art. Tu vas légèrement remplir tout doucement l'intérieur de la paupière. Et alors surtout n'hésite pas à aller un petit peu dans les coins. C'est ce qui va créer en fait ce petit regard de pute. Hein. Regard de biche, regard de pute. Ce que tu veux. Alors on part sur du pourpre. Et là tu vas dans le coin ma gueule. Voilà. Tournicoté juste dans le coin là tu vois. Tu vas créer en fait de la profondeur sa mère. Voilà tu vois. Tu crées... profondeur, ça qu'on veut.
tu prends le rose, tu vois, pute, rose Barbie, là. Et tu vas juste, hihi, le coin intérieur de l'œil, tu vas un peu me pinker tout ça, là. Superbe, Martine. Alors maintenant, petite technique pour toutes les pucelles de make-up entre vous, hein, qui sont très très nulles et qui du coup forcément sont aussi très très nulles en eyeliner, hein, parce que voilà, c'est bien, ça commence comme ça, tu commences avec un petit trait, puis tu foires et ça finit en Amy Winehouse, on va pas se mentir. Pour ce look smoky, en fait moi mon eyeliner je vais le placer et puis tu vas voir, je vais faire un petit truc, tu vas voir. Donc si tu foires un peu, c'est pas grave, bon, œil droit, c'est parti. N'aie surtout pas peur, tu vois, d'aller bien loin. Œil gauche. Bah j'ai foiré en puissance. C'est pas grave. Tu prends de nouveau le pourpre. C'est de la magie, de l'art. Ça s'appelle l'expérience, tu vois. Et en fait, tu vas tout simplement balayer au-dessus de ton eyeliner. Tu peux aller genre bien loin, tu vois. On veut un vrai regard de salope. Parti, tu vois, hop là. Et là, je remonte. Tu vois ce que je suis en train de faire là, tu vois? Putain, c'est génial. Tu passes bien sur le noir que t'as foiré, tu le redessines en fait, clairement c'est ça. Tu retournes forcément, hein, dans ton putain de pourpre. Là, tu vas retourner et recréer un petit peu de profondeur sur le côté. Tu reblends la totalité du truc, tu vois. Voilà, faut que ce soit homogène, sinon c'est moche. Et tu blends, putain, vas-y, blends-moi ça. Voilà, putain, c'est beau ça. Alors qui voilà? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bonjour, je suis vraiment très très chiant. Tu vas m'embêter. Petit cœur, allez, dégage. Ça, c'est la base, tu vois. Il faut qu'on redessine le dessus. Alors, pour ça, je vais prendre une couleur claire. Donc, par exemple, ici, j'ai une magnifique palette, comme tu peux voir, qui est très très propre. J'ai vraiment pris le temps. Ah, putain, ça fait très mal. J'ai vraiment pris le temps, hein, comme tu peux voir, de bien la nettoyer. C'est super propre. Voilà, j'ai posé ma caméra sur une. Voilà, une boîte à vin. Ouais, on pèse, ouais. Tu prends du blanc, juste là. Et hop là, c'est parti. Forcément, t'as plein de résidus là, tu vois, qui te créent des petites cernes bien dégueulasses. Si tu veux pas te casser le cul à refaire ton fond de teint chaque fois que tu te maquilles les yeux, bah c'est très simple. Il suffit d'abord de te maquiller les yeux et après t'appliques le fond de teint, tu vois. Pas être Einstein, tu vois. On voit rien, hein, mais si je passe un petit coton, oh là là, c'est dégueulasse. Regarde, regarde, tu vois. Hop, on est bon, je pense. On est bon. Ce qui suit après, évidemment, voilà, c'est le fond de teint, c'est tout ce bordel là. Je vais vite appliquer ce qu'il faut et je te revois après. Un regard de braise en mode grosse chénasse de la casse. Bon, attention, avant de sortir, il faut toujours passer ton maquillage au putomètre. Si t'as ton mec dans les parages, ton frère, ça marche très très bien. S'il fait c'est quoi ce maquillage de pute, meuf, c'est bon. On se régale, Martine. T'es prête pour sortir, pour t'amuser avec tes copines, te déhancher en soirée. Bécantine, cet énorme phallus en bouche. Tu penseras à moi. Salut.